أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et sœurs السلام عليكم c'est votre sœur Mouna madame Javi j'espère que vous êtes très très bien moi alhamdulillah rabbil alamin je vais très bien voilà j'écoutais une prêche là et je viens de me souvenir de quelque chose c'était de mettre en audio voilà d'accord je viens de me rappeler Je viens de me souvenir d'une de mes crises de jalousie. Ça m'arrive souvent comme ça d'avoir des petites crises de jalousie comme ça. Donc j'ai dit, bon, c'est quoi? You know what? Je vais mettre ça, je vais recorder ça. Donc voilà, un jour j'étais à l'université aux États-Unis et je prenais des cours de sociologie ou psychologie, je ne sais même plus. Parce que je prenais des cours à l'université et l'heure des cours coïncidait avec l'heure de la prière, d'accord? L'heure de mes cours coïncidait avec l'heure de la prière. Donc, je devais soit aller prier avant l'heure de la prière, soit arrêter le cours et aller prier. D'accord? Mon portable avait une alarme d'argent qui sonnait. Donc, dès que le cours commençait, le cours et l'heure de la prière étaient à peu près au même moment. Quoi. Et je ne voulais pas prier avant la prière. Je voulais prier à l'heure de la prière, peut-être 15 minutes avant ou 15 minutes après, mais ce que je voulais pas prier 30 minutes avant, non, je voulais prier dans le même... je voulais pas qu'il y ait une grande distance entre l'heure de la prière et l'heure à laquelle moi je prie. Donc, dès que le coup commence, moi, mon azan sonne. Dès que le coup commence, mon azan sonne. Donc, il y a une de mes classmates qui a remarqué l'azan sonne dans mon portable. Elle a remarqué ça. Quoi. Elle dit, mais Mouna, toi, chaque fois que le coup commence, tu as ton alarme qui sonne. Ton alarme qui sonne là, vraiment, j'aime bien le son de ton alarme. Je lui ai répondu, non, c'est pas une alarme. Hein. C'est une prière. L'heure de la prière, elle dit, ben, ma chère Allah, ton alarme, ta prière là me plaît beaucoup. Et avec, donc elle me dit, bon, elle dit, ben, machallah, ta prière là me plaît beaucoup. J'ai dit, alhamdulillah. Donc, et chaque fois quand ça sonnait, elle essayait vraiment de répéter la zane. Parce que ça sonne net, parce qu'ils étaient deux. Il y avait, c'était une jeune dame, il y avait un autre monsieur auprès d'elle. Lui, il détestait mon alarme, mon azan. Il détestait ça, quand ça commence net, il dit, moi, Mouna, et pour ça dit que on va faire moins de bruit. C'est quoi ça? Lui, il était tout le temps énervé. Et elle, par contre, elle était toute joyeuse. Chaque fois que mon azan sonne, elle était toute contente. Moi, je me précipitais vraiment pour éteindre. Je me précipitais pour éteindre parce que je ne voulais pas vraiment que... professeur, parce qu'on était en plein cours là, puis c'était à l'université. Et nous, à l'université, aux États-Unis ici, quand on te met dehors, tu perds ta moyenne et puis tu perds. Mais mashallah, jamais, Allah wa akbar, Allah ne m'aide, on se rade. Donc, c'est pas facile ce monde-là. Tout le monde-là, c'est pas facile. Donc, je me précipitais vraiment pour éteindre la zone. Je mettais vraiment. Parce que si je mettais sur mute, Même si je mets sur mute, la zone sonne quand même. Mon portable, il y avait en ce moment, je ne sais pas quoi passer. Même si je mets sur mute, la zone sonne quand même. Ça n'a rien à voir avec. Mettre un portable sur mute, ça n'a rien à voir avec la zone. La zone, tu dois rentrer dans l'application de la zone et mettre sur mute. Mais moi, je voulais vraiment attendre la zone sonner parce que je voulais savoir l'heure de la prière. C'est quand même quand je me souviens de l'heure de la prière, quand la prière sonne, je peux être en plein cours et ne pas me remarquer la zone. Donc, je mettais toujours la zone dans mon portable et mettre la notification 5 minutes en avant. Et quand la prière sonne, je me sors, je vais prier. Donc, chaque fois que la zone sonne, j'éteins la zone, je laisse mon sac là-bas, je prends mes clics, mes claques, je vais prendre ma prière. Donc, un jour, la zone a sonné. Souvent que la zone sonne comme cela, ici aux États-Unis, l'heure de la prière change quoi. L'heure de la prière change souvent, ça change. Chaque mois, l'heure de la prière change. Comme en Afrique où la prière reste toujours. Non, ça change. Donc, il y a un moment qui est arrivé où la prière commençait, où le coup était au début de cours, souvent au milieu de cours, souvent quelques minutes en avant, souvent quelques minutes après. Anyway, donc un jour, comme ça, la zone a sonné. Le professeur était un peu en retard. Donc, quand la zone a sonné, moi, je me suis précipitée, j'ai voulu éteindre. La dame qui aimait vraiment mon azan m'a dit non, Mouna, j'aime bien ton truc, laisse ta prière là, laisse. Elle a commencé à essayer de répéter après l'azan. Il y a une de notre classmate
qui était énervé. Il était énervé contre elle. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ta musique là, ça dérange. Il dit, non, c'est pas une musique. Il dit que c'est une prière. Donc elle essaie vraiment de répéter après lui, après la zone. Il m'a dit de laisser. Il y a un truc, il y a un truc qui va d'aller. Il dit que je ne sais pas ce qui se passe, mais mon âme aime ta prière là. Elle dit vraiment ta prière là, mon âme aime ça quoi. Elle a dit que mon âme aime ça là. Automatiquement, ça a touché mon cœur. J'ai eu honte en fait. J'ai dit, mais bon, moi, dès que la zone sonne, la première chose qui me vient en tête, c'est va prier. Mais la beauté même de Lazan, avait dit que la beauté, c'est que la lumière que j'ai vue dans son visage là. Moi, j'avais pas ça dans mon cœur. Ça m'a rendu vraiment triste, ça m'a rendu un peu jaloux. J'ai dit, bon, machallah, j'ai vu vraiment ce que la dame a ressent quand elle écoute Lazan. J'ai vu vraiment qu'elle a souvent talent, me donne cette opportunité là, vraiment de ressentir ça. En même temps, il y a un truc qui est venu en tête, il dit que bon, tu n'écoutes jamais Lazan en fait, Mouna. Tu n'écoutes jamais Lazan. Dès que Lazan sonne, tu n'écoutes jamais. Ça veut dire que moi, j'ai remarqué ça en moi, quoi. Ça veut dire que chaque fois que quelque chose m'arrive, j'essaie de comprendre. Et les réponses me viennent en tête, quoi. Ça veut dire que quelqu'un qui a assis derrière ma tête, là, puis il me donne les réponses. Ça veut dire que tu n'écoutes jamais Lazan. Ça sonne une utilité. Ça sonne une utilité, tu n'écoutes jamais. Donc, vraiment, c'est l'un de mes premiers moments que il y a plusieurs trucs qui m'arrivent, hein, mais là, j'ai vraiment pour le temps d'écouter la zone. Mais quand la zone sonne, après ce jour-là, quand la zone sonne comme cela, je mets mon écouteur à l'oreille, j'écoute toute la zone jusqu'à la fin, puis maintenant je me lève, mais je traverse ma prière. Elle m'a demandé, un jour, elle m'a demandé, mais moi, ton âme, ta prière, tu la mets plus en marche. J'aime bien ça, ça aide vraiment mon. Avec une idée maintenant, quoi. Mon âme, quand j'écoute ta musique là, mon âme est content. Et puis la fille là, elle s'habillait toujours comme un garçon manqué. Elle s'habillait genre comme lesbienne, façon là, elle était toujours comme ça. Elle était toujours habillée genre comme un garçon manqué. C'est elle marchait comme un garçon, s'habillait comme un garçon. Donc moi, je lui ai dit, bon, tu peux aller sur YouTube, tu peux télécharger le son, tu peux écouter le son. Elle dit, ah, vraiment, merci beaucoup. Elle a vraiment aimé. Donc, je lui ai dit ça. Donc, c'était pour partager ce témoignage de ma première crise de jalousie. J'en ai beaucoup comme ça. Hein. J'en ai beaucoup de petits moments comme ça, de crise de jalousie qui m'est arrivée. Mais je me remets toujours en question. Je me pose toujours des questions. Je demande toujours à la Solentaire de m'aider à comprendre pourquoi pas moi. Pourquoi quand on prie, c'est un jour au changer là, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi j'arrive pas à faire ceci, je pose toutes les questions et puis je vois qu'il y a des choses qu'on dit mais on ne fait pas, des choses qu'on écoute mais on ne met pas en application. Donc vous m'essayez de les mettre en application et se remettre en question vraiment beaucoup. Donc voilà ça. Voilà ça, je vous laisse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mettez vos opinions en commentaire. Vous avez déjà une crise de jalousie. C'est que la jalousie est assez négative. Mais celle-là, c'est même pas sûr d'appeler ça jalousie. Je suis d'appeler ça c'est pas sûr d'appeler ça une jalousie ou une remise en question. Mais anyway, ce qui s'est passé, je voulais partager ça avec vous. Mettez vos opinions en commentaire. Si jamais vous avez vu ce genre de témoignage ou de, je sais pas, let me know en commentaire s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc le ramadan se rapproche assez rapidement. Pour ceux qui sont intéressés à participer à nos dons du ramadan, faites-moi savoir. Salam alaikum, merci beaucoup. Thank you so much for like and share. Salam.